Alors moi j'interprète le personnage de Mickey, donc qui travaille à la COS, qui est délégué syndical et qui est en même temps la maîtresse de Rudy. Je suis folle amoureuse de toi. Plus ça va, plus je t'aime. Et toi ? Donc elle est à la fois voilà, très investie, très militante et c'est une combattante. Et en même temps, elle a besoin de sa relation, de son amour avec Rudy. Ça lui fait comme une bulle d'air, de respiration qui l'aide à rester en vie, à garder la soif de vivre malgré tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut s'écrouler autour d'elle. La direction de la COS nous place devant un choix scandaleux. Fermer le site avant Noël ou accepter un plan social comprenant une centaine de licenciements. Non, le licenciement, madame Jolie. Oui, il y a quelque chose de tragique chez elle. Il y a quelque chose de tragique et en même temps, il y a vraiment cette énergie du désespoir chez elle. Donc, il y a un côté aussi très naïf. Bizarrement, c'est une femme d'âge mûr qui a vécu plein de choses, qui est très sûre d'elle, qui est féministe aussi, elle a un combat féministe. Et en même temps, il y a quelque chose qui reste dans la naïveté de l'amour, quelque chose de beau qu'elle veut préserver. Donc il y a aussi ces deux aspects, je trouve, voilà, la femme très forte et le côté jeune femme qu'elle veut rester à l'intérieur, quoi, qui reste. Ouais. À l'origine, j'avais peur que ce soit un peu compliqué pour moi de passer de l'un à l'autre. Et là, c'est écrit de telle manière, la mise en scène est faite de telle manière que c'est très fluide. Et au contraire, c'est un vrai... C'est-à-dire qu'on ne défend pas la même chose avec le chant qu'avec le texte. C'est très complémentaire et au contraire, c'est un vrai plaisir. Moi, je m'amuse, je suis très, très heureuse sur ce spectacle et à interpréter ce personnage. Je m'éclate. Tu as bu dans mon verre, tu connais toutes mes pensées. J'ai la tête à l'envers, je ne pense qu'à t'aimer, mon amour, mon bébé. Pourquoi ne veux-tu plus de moi? Les violons, les déclarations, les serments, les engagements, les belles paroles, les gondoles, les mots gravés, les cœurs fléchés, les cœurs serrés de prénoms. Qu'est-ce que c'est con, très con.